Alors, monsieur le maire, nous nous trouvons aujourd'hui près de Roissy. Pourquoi avoir invité la presse à ce déplacement en région parisienne ? Eh bien, tout simplement pour montrer que l'équipement que nous sommes en train de construire à Saint-Dié, Aquanova America, est bien au-delà d'une simple piscine, puisqu'il procure à la fois la capacité de faire du sport, les 5 sports de la Fédération française de natation, de la plongée dans un des 15 bassins français, 15, pas plus, de plongée avec bouteille, de réunir des familles autour du jeu, autour de l'eau, de s'occuper des enfants, soit dans des loisirs dans l'eau, soit des loisirs secs. Bref, de donner à ce centre beaucoup d'atouts qui n'appartiennent pas à une simple piscine. Nous avons bien sûr la piscine et le sport, et nous avons à côté tout ce qui convient aux familles, aux enfants, aux plus âgés, pour se détendre et pour passer un très bon moment à un prix très bas. Le centre plein oxygène sera-t-il identique en termes de service au futur centre aqualudique Aquanova America de Saint-Dié-des-Vosges? Oui, alors le centre oxygène est plus grand parce qu'il fait 4 à 5 fois la taille de celui de Saint-Dié-des-Vosges. Il a coûté d'ailleurs plus que 5 fois plus cher. Dans ses services à peu près identiques, c'est-à-dire qu'il offre la capacité de faire du sport, la capacité d'apprentissage, les capacités scolaires qui appartiennent au service public dont nous sommes responsables, nous villes, nous restons responsables du service public, et puis tout ce qui tourne autour du ludique, c'est-à-dire du jeu, de la mise en forme, avec des bassins extérieurs, des bassins intérieurs et une foultitude d'innovations. Alors, pourquoi avez-vous souhaité qu'une telle structure se construise dans la cité des Audaciennes ? Pour avoir une politique complète à la fois sportive et touristique, pour lier la détente au sport, à l'attractivité. Une ville qui veut renaître économiquement doit aussi donner à ceux qui la fréquentent ou qui auraient envie de la fréquenter ou qui y viendront parce qu'ils y travaillent, tout le loisir et tout le bien-être qu'il est en droit d'attendre sur le quotidien. C'est-à-dire pour venir à Saint-Dié-des-Vosges, il faut disposer de tous les équipements qui nous rendent attractifs. Et cela, c'est dans le but de pouvoir attirer des entreprises novatrices, innovantes et attirer des emplois. Enfin, dernière question, pouvez-vous nous rappeler les avantages du PPP, partenariat Alors, public-privé ? Le partenariat public-privé a un immense avantage, c'est qu'une fois que le contrat est signé, l'opérateur, le groupement d'opérateurs privés s'est engagé, et une fois pour toutes, et moi, pendant 25 ans, il n'y a aucune responsabilité de la ville. La ville sait ce qu'il attend, l'année N plus 1, etc. Tout est fixé, et s'il y a des dépassements dans la construction, par exemple, ça arrive 2 fois sur 3, habituellement dans une simple piscine, s'il y a des problèmes d'exploitation, ce n'est pas notre affaire. Le PPPiste, si je puis dire, doit nous livrer un produit complet, parfait, fini. Il doit par ailleurs entretenir correctement l'équipement, puisque tous les ans, il est prévu des investissements de renouvellement tout au long des 25 ans. Donc l'avantage, c'est que le PPPiste, le groupement d'entreprises, a conçu, construit, exploité, entretenu, maintenu l'équipement. Tout est sa responsabilité. S'il n'y arrive pas, je peux le changer au bout de 2 ans.